Bienvenue, c'est Samir refait Actu. Aujourd'hui, on va parler de choses très intéressantes. En effet, on va, on va, on va voyager, on va aller en Australie et à Sydney Parce que, effectivement, comme vous le savez, il s'est passé quelque chose de dramatique. Et euh, une personne a, euh, a fait ce qu'il a fait dans un centre commercial. Et, euh, et voilà. Bon, euh, les médias ont expliqué, euh, fut un temps qui s'appelait euh, Cohen, etc. Ben, il serait d'une certaine confession dont, voilà, bon. Pas grave, hein, ça peut arriver, hein, faut pas. Euh... Et bizarrement, on n'en entend plus parler. On nous a expliqué que finalement, c'était lui-même une. Euh, hein, c est, c est, il avait des problèmes psy, c'était pas de sa faute. Voire même potentiellement que les personnes qu'il a vilipendées avaient une responsabilité. Tu vois. Donc voilà. C'est étonnant, hein, ça dépend. Moi euh... bon, la question que je pose, c'est que les, les victimes, est-ce qu'elles ont soutenu l'Iran c'est ça qu'on pose pas moi je pose des vraies questions tu vois comme à ces News et sur les médias français euh, Eh bien, il, il s'est passé quelque chose d'autre à Sydney en effet euh, nous avons une personne qui a décidé de vilipender euh, un prêtre un prêtre orthodoxe un chrétien euh, et donc ce vous allez voir ils en ont parlé dans les médias mais ça reste très flou bizarre tout ça vous a... à votre avis pourquoi donc on va en parler. Et évidemment, on va montrer qui est ce prêtre, est-ce qu'il en est et d'où c'est que ça peut venir. Euh, on va aussi parler de Mélenchon et de Rima Hassan. Hein, parce qu'il prépare une conférence. et... Euh, mais, euh, ah, euh, comment il s'appelle euh, ah, euh, Paradiso que se raconte, moi. Euh, tu sais, celui -là qui, qui est condamné pour les trucs pour enfants, là. Ah Comment il s'appelle Vous savez, celui -là qui a fait des trucs à des mineurs. Euh, Morandini, voilà. Donc Morandini, euh, le est tombée dessus. On va voir l'extrait, on va réagir. Avant ça, je vous demande de vous abonner, Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné. Partagez autour de vous. Hein. Alors, mesdemoiselles, alors je vois que messieurs, vous vous partagez. Vous faites partager mes vidéos, vous demandez d'abonner. Mesdemoiselles, vous ne le faites pas. Eh, faut partager, hein. je, je sais que vous voulez me garder rien que pour vous, mais partagez. Donc, euh, rejoignez-moi sur des réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Euh, et puis voilà, tout simplement. Voilà. Bon, on va pouvoir démarrer euh, immédiatement. sans plus attendre, on va commencer directement par euh, le truc. je vous promets que je ne triche pas. Euh, je vais d'abord vous montrer ce qui est dit sur les dans les médias. ensuite, je vous montre la vidéo euh, du prêtre et qui il est. Euh, parce qu'en fait, c'est un prêtre qui est pro-humanité. Pro c'est un, un véritable chrétien. C'est pas les chrétiens Zemmour qui, euh, qui t'expliquent que l'ennemi le, principe... C'est pas, pas les chrétiens de France, hein. Les chrétiens en France, leur pire ennemi, c'est Jésus. Tu vois Les chrétiens de France, leur seul objectif, c'est de faire des églises sans Jésus. Je, quand même Je suis je, 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 je pas non plus un expert dans le... Enfin, j'ai lu la Bible. J'avais appris pas mal de passages pour euh, débattre, euh, machin, etc. Mais... Il euh, y a quand même la figure de Jésus, elle y est quand même un petit peu, non euh, Tu vois C'est ah, vous vous confondez pas de religion Je... Enfin bref. Alors voyons voir ce qu'il est dit. Australie. Australie. Ce que l'on sait de du nouveau vilipendage au couteau dans une église près de Sydney. Deux jours. Après une première, un premier vilipendage ayant fait six victimes dans un centre commercial de Sydney en Australie, un homme a été arrêté ce lundi par la police australienne. Il est suspecté. J'ai bien dit suspecté. Alors bon, on a la vidéo où vous pouvez la voir sur les réseaux sociaux. Je vous la montrerai pas parce que c'est ignoble. Où il est là, il le fait et il dit oh, en l'homme." Oh. mais c'est suspecté. Attention, on n'a pas la preuve que c'est lui c'est fou quand même euh, il a il a il a il a fait du mal à quatre personnes dans une église d'une commune située en banlieue de la ville euh, voilà une attaque durant l'office l'attaque a eu lieu euh, à la Christ the good Shepherd Church l'église du christ bon pasteur de Wackley lors d'un office retransmis sur internet. Sur les images du vilipendage que CNews a pu visionner, on voit un homme vêtu de noir s'approcher d'un ecclésiastique, puis le vilipender. D'abord sous le choc, les personnes présentes ont maîtrisé le suspect. La principale victime serait l'évêque Mar Marie Emmanuel, un prêtre assyrien. Orthodoxe qui prononçait un sermon au moment de l'attaque. Il expliquait euh, qu'il fallait humainement soutenir euh, l'Iran et ne pas oublier la souffrance des Palestiniens et, euh, et qu'il espérait un jour la libération des Palestiniens et qu'il remerciait euh, les musulmans pendant des, pendant des millénaires d'avoir euh, de s'être bien comporté à Jérusalem. Euh, etc et critiquer un petit peu que depuis quelques années des étrangers sont venus et ont, et ont détruit le christianisme euh, en Palestine voilà c'est un petit peu c'était son discours vous voyez ah là là. donc passons à la suite il a été admis à l'hôpital, leur, leur état est stable. Nous, euh, nous vous demandons de prier en ce moment. L'évêque et le père souhaitent que vous priez également pour l'auteur de l'attaque. Peut-on lire Selon les services de secours, les victimes seraient âgées de 20 à 70 ans et leur jour ne serait pas en danger. Le suspect est en garde à vue. La police australienne a confirmé que l'auteur présumé de, cette, de ce vilipendage avait été appréhendé, placé en garde à vue. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un garçon mineur de 15 ans, bien évidemment. Le suspect, soigné pour des blessures à la main, a été conduit dans un endroit sûr. L'assaillant, ayant provoqué la fureur parmi les fidèles, a affirmé Andrew Holland, un haut responsable de la police de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Des manifestations aux abords de l'église. L'attaque de l'église du Christ Bon Pasteur a en effet provoqué la colère de la communauté. Une centaine de personnes est venue crier sa colère aux abords du bâtiment. Au moins deux policiers auraient été hospitalisés et des véhicules endommagés lors de ces violentes protestations, euh, selon la police australienne. Alors il faut savoir pourquoi. C'est parce qu'ils hum, en ont marre d'être sous euh, domination. Et ils ont dit que ce n'est pas tolérable. Parce que là, euh, euh, le fait que ce, ce, ce jeune homme... Tout de suite, voilà, on dit qu'il est mineur. Ensuite, on trouve des excuses. Euh, Est-ce que c'était pas un prêche anti bip etc. Ils ont dit, non, c'est bon, là, 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 stop, hein. Stop. Il y a un moment, nous, on n'est pas, pas des M de France. On va pas, on va pas se laisser euh, marcher dessus. Hein. Incroyable, ça. C'est ça qu'en fait, qui s'est passé. Durant la nuit de lundi à mardi, au plus fort des troubles, les urgences de l'hôpital dans lesquelles se trouvent les victimes ont été fermées au public. Une communauté ultra-conservatrice Et voilà, vous voyez, on leur tombe dessus Incroyable Alors, ultra-conservatrice veut dire euh, pro-palestinienne. Je à préciser, hein. tu vois, c'est. Selon le Sydney Morning Herald, l'évêque Mar Marie-Emmanuel serait le leader d'une congrégation assyrienne orthodoxe, ultra-conservatrice. Les motifs de la sont néanmoins restent inconnus. Ben tiens C'est incroyable Donc voilà le, ce que disent les médias. Alors je vais vous montrer euh, à quoi ressemble euh, ce prêtre-là. Alors je ne vous montre pas la vidéo bien évidemment parce que euh, là il y a un petit zoom mais il faut savoir que là il y a un homme qui s'approche de lui tu vois, qui vient, alors certainement je sais pas ce qu'il dit, tu vois, Israël homme, etc, euh, Israël vaincra, euh, vous êtes tous des goïms, vous êtes tous des gentils, vous êtes là pour nous servir, je sais pas ce qu'il dit, tu vois je et à ce moment là, ben les images sont horribles, les images sont horribles, heureusement les autres arrivent pour l'intercepter mais euh, voilà euh... je vais mettre lecture et on va voir ce qui est dit dans, dans cette vidéo. Alors malheureusement, je, ils ont mis de la musique dont vous ne pourrez pas entendre la voix de, de ce prêtre, hein, ce dangereux prêtre. Très important de le rappeler. Mais je vais vous mettre quelques secondes pour que vous entendiez sa voix. Après, je vais juste lire la traduction. OK On fait comme ça. Écoutez. Voilà, vous avez euh, sa voix. Donc voilà, maintenant on va, on va voir ce qu'il dit. Il est à l'intérieur du bus euh, et il regarde et il voit une fille depuis l'intérieur du bus. Je lui fais signe. Elle me fait signe et je dis bien. Et je dis au chauffeur du bus, ouvre la porte. Il dit ⁇ Évêque, ça assez effrayant de venir ici. Euh, vous voulez que je vous laisse sortir du bus ?⁇ Il a dit ⁇ Vous savez, passez une fois, vous quitterez ce bus. Cette ville entière va venir vous courir après. Je vais fermer la porte et moi je vais partir. Je ne peux pas vous aider. J'ai dit ouvrez la porte. Il m'a dit je ne prends pas les risques. J'ai dit c'est nous qui vous payons, vous le faites. Point. Ouvrez la porte. Je veux dire bonjour à cette petite fille. Une palestinienne, une musulmane, une fille, un petit amour. Je m'en fiche, c'est un petit ange. Arrêtez de... Euh, euh, arrêter de vilipender ces petites filles, ces amours. C'est incroyable. Alors, bien évidemment, pour vous, ça vous touche le cœur. Hein, en tant que catholique, en tant que protestant, en tant que musulman, euh, ça vous touche le cœur. Hein, en tant que en tant qu Hollandais, en tant que Marocain, en tant que Chilien, en tant que, qu que Norvégien, en tant que Français. C'est vrai que quand tu vois une petite fille d'amour, tu tapant Mais il y a certains... Euh, tu vois, c'est particulier, tu vois. Il a ouvert la porte à la fin. Je suis sorti du bus. J'ai dit ferme la porte. Il l'a fermée. J'ai appelé la petite fille. J'ai parlé en arabe. J'ai dit euh, ma chérie viens ici. Elle est venue. J'avais un drapeau australien. Juste un bout de bâton et un petit drapeau. Je n'avais rien d'autre. Je lui ai donné. C'était comme si je lui donnais le monde entier. Comme si c'était la première fois que quelqu'un lui donne quelque chose. Un cadeau à ce petit ange. Elle était folle de joie. Elle ne savait pas quoi faire. Elle a commencé à sauter et puis sa grand-mère est venue. Et quand je leur ai parlé, j'ai tourné autour. La ville entière m'a attiré. Et, des, et les centaines d'hommes et la façon dont ils dont ils s'entraînaient, j'ai dit Allahu Akbar. Alors là il il fait sa petite blague, on va essayer de l'écouter. The akbar. <laughs> J'ai dit mon nom c'est. <laughs> J'ai pas compris ce qu'il veut dire par là. Le chauffeur de bus dit mon évêque entrez dans le bus. J'ai dit vas-y mon frère je ne vais pas bouger. Laissez le m'attraper je m'en fiche je reste ici. En un clin d'œil ils sont venus et je courais littéralement aussi vite qu'une gazelle. They surrounded the whole... Ils ont entouré tout le bus et moi. Ils étaient une centaine. Je ne comprends pas ce qu'ils en est, mais. Et ils ont commencé à dire personne ne s'intéresse à nous Personne ne s'inquiète de nous. Personne ne sait comment nous vivons. Nous luttons ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-nous. Bon, la traduction, c'est pas non plus le... Je suis allé dans le bus, j'ai collecté de l'argent, j'ai donné ce qu'on pouvait. Et puis ils ont commencé à dire Dieu vous bénisse, Dieu soit avec vous. S'il vous plaît, racontez à tout le monde la façon dont nous vivons ici. Et ainsi de suite. Nous sommes affamés. Bref, donc et et ça c'est plein de vidéos comme ça. Il est connu pour être euh, un, un pieux chrétien et euh, voilà, euh, il appelle plutôt, enfin, disons que lui, il est plutôt euh, civilisation islamo-chrétienne, tu vois, et pas judéo-chrétienne, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il a dérangé un petit peu, euh, voilà, c'est ça qui, pour ça qu'il a été vilipendé. Bref. Pour bien comprendre, hein, euh, voilà, cet évêque euh, a été vilipendé. Bien évidemment, il a critiqué euh, Israël, il a soutenu la Palestine euh, et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. Donc euh, bien évidemment que euh, l'individu va venir et dire, voilà, le Coran, vraiment, si vous saviez, euh, vraiment. Mais mais pourquoi Au pire, pourquoi Pourquoi t'attaques jamais Vous attaquez jamais euh, Israël, etc. Voilà, vraiment, j'ai fait ce geste-là. Euh, parce que euh, l'Iran paiera un lourd tribut pour ce qu'ils ont fait à notre nation. Non, non, non on oublie. Euh, euh, allez, allez, c'est bon. Cir Circuler, il n'y a rien à voir. Mais, mais ce qui est bien, c'est que plus on avance avec le temps, plus Israël et leur agent pensent. Que euh, ils en sont autant bénis, c'est-à-dire au moment où ils pourront dominer le monde, plus ils vont, ils vont plus se cacher. C'est-à-dire que vraiment maintenant c'est à découvert. Bref, on va passer sur le sujet de l'Iran. Enfin, d'abord euh, Mélenchon, etc. Après euh, Macron qui s'est exprimé, mais euh, mais parce que tout est lié. Nous avons Rima Hassan. Euh... <laughs> Euh, Rima Hassan qui a publié un... un comment on appelle ça Un tweet. Un tweet où elle rigole. Elle dit à chaque fois qu'on m'attaque, regardez comment je réagis. Bon, ça me fait rire. Et il y a Martial qui dit... Euh, Hassan... Euh, Hassan, rentre chez toi. Euh, et Rima qui répond gentiment... Pour ça, il faudrait libérer la Palestine. <laughs> Euh, ah, que c'est beau! Ah, ça me fait rire. Franchement, je crois qu'il n'y a pas mieux. Je crois qu'il n'y a pas mieux comme réplique. Donc, je rappelle qu'il y a une conférence qui est prévue. Et euh, écoutez ce que dit euh, l'autre là. Brandini. Regardez cette affiche, c'est une, une conférence euh, qui, va, qui est faite par Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan euh, à l'Université de Lille. Euh, regardez en bas à droite, il y a un petit logo euh, qui, que vous voyez, un petit logo en rouge, Libre euh, Palestine. Il n'y a pas d'Israël. Il n'y a pas d'Israël. C'est la disparition d'Israël. Ça veut dire quoi Voilà. Ça veut dire que vous souhaitez la disparition d'Israël. Excusez-moi, ce non, logo. Mais pas du tout. Israël est où là Palestinien, Israël est où là Sur quoi, ce logo Mais en quoi ça voudrait dire que non, 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 je vous parle de ce logo-là. Ce logo. pourquoi quand vous mettez, montez sur la carte Israël, moi, moi, ce que je pose la question. Pourquoi quand vous montrez la carte sur Israël, le, le territoire occupé à l'heure actuelle, pourquoi, pourquoi pourquoi vous dites, ah, vous, le fait de reconnaître l'État d'Israël, c'est dire qu'il n'y a pas en dessous d'État de, euh, palestinien. On est bien d'accord. Si vous dites que ça, 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 c'est Israël, ça veut dire que ça, 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 ce n'est pas la Palestine. Donc par contre, quand quelqu'un dit, non, tout ça, c'est la Palestine, vous dites, oh, c'est ignoble. Bah ben, écoutez, vous faites la même chose. Faut pas se laisser marcher hein, avec leur le rhétorique bidon, hein, tu vois. C'est... Euh, faut, pas, faut pas se laisser, hein. tu vois. C'est... Sur l'affiche, regardez. Palestine regardez. Libre. Ce logo veut, ce logo sommes, veut dire quoi mais la, mais la population. Ce logo veut dire quoi le, le, le logo veut dire quoi Il est très clair. Oui. Israël, ah, oui, il est clair. Ah, il y a ah, oui, disparition d'Israël. Il n'y a pas d'Israël. Est-ce qu'on a dit qu'il fallait... y a Regardez, vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi. Pourquoi les Palestiniens ont des cultures Vous comprenez rien à ce qui se passe Oui, je comprends rien. Vous êtes. Arrêtez, là en fait, on n'en est plus à discuter. Arrêtez de débattre. Parfois en commentaire, il y en a, regarde, un tel il a dit ça. Eh les gars, on n'en est plus à débattre. Là maintenant, ils ont dit c'est fini, on ne discute plus, il ne faut plus discuter. Je vous l'ai dit ou pas Je vous ai toujours dit, il faut éviter la guerre civile, etc. en France, machin. Euh, je ne sais pas si elle aura lieu, mais on verra. Mais il y a un moment, il faut leur expliquer à ces gens-là, au bout d'un moment, quand ça démarre, là c'est autre chose. Là, on n'est plus là pour discuter. Faut plus venir, euh, tu sais, tu crois que tu es pacifiste. Oh, machin, oh, c'est autre chose. Là, c'est la même chose. Là, ils en sont peu à rigoler dans les pâteaux, Tout, C'est fini. C'est fini. Là, as Morandini qui a été condamné pour avoir fait des trucs avec des mineurs qui vient t'expliquer ce qui est bien ou mal. Euh, faut pas discuter. Faut, faut vraiment partir directement. Bonjour, j'aimerais parler euh, des compléments alimentaires. Ben, en parlant de compléments alimentaires, Morandini, est-ce que, est -ce que ça, ça en est à où avec les mineurs, là pourquoi tu parles de compléments alimentaires alors que tu te... il faut y aller comme ça Faut plus... Faut plus... Euh... Pathétique. Le grand Sur cette affiche, il y a la disparition d'Israël. Vous écoutez. êtes des antisémites. Votre parti est un parti antisémite. Monsieur, vous êtes le seul parti monsieur, antisémite. Monsieur, rien pour vos propos, je peux vous attaquer. Je vous défie. Je vous défie. Vous... Voilà, mais après, c'est pas bien parce qu'encore une fois, vous avez pas remarqué un truc T'en as pas un qui parle français tranquillement chez ces gens-là, chez les os 2022 c'est que du blé c'est que, que des blé d'ox, et, euh, et qui rêve de la... Voilà, euh, j'ai cherché, j'aime ai plus que la France que toi. Moi j'ai laissé les messages, j'ai les l'Islam et j'aime ai la France, la démocratie. La Samir refractue, il est pas bien. J'ai peur à voir sa passe. Non mais en fait monsieur, je suis désolé, c'est bien beau, hein. merci de nous avoir euh, lustré les, les noisettes, mais euh, en fait lui il est né en France. Comment ça, il est en France Non, la France, moi j'y fais ce que tu veux, j'y viens en France. Oui, c'est bien gentil. Ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous listrer les noisettes, tu vas te mettre à quatre pattes, et euh, on va faire ce qu'on a à faire, tu vas t'humilier, tu vas cracher sur ton, tes origines, ta religion et sur tout ton machin, hein, et, euh, et puis au final, tu n'auras pas ce que tu veux, ok On va faire comme ça Ok, j'aime aime la France, d'accord. Incroyable. Vous, vous êtes un vous alors, cas, pas... Bon voilà, bon ça, ça m'intéresse pas parce qu'en fait c'est devenu ennuyant, c'est toujours la même chose. Nous avons Emmanuel Macron qui s'est exprimé hum, sur hum, sur la situation euh, Iran, qui en résumé, alors je vais sauter tous les éléments où j'y reviendrai peut-être demain. L'Iran a répondu de manière disproportionnée suite au vilipendage de son consulat à Damas par Israël. Je rappelle, attention, bah, c'est écrit que l'attaque dans le consulat a fait 16 victimes innocentes. Alors que ce qu'a fait euh, l'Iran 0. Je rappelle qu'on nous a expliqué que le fait euh, actuellement en Palestine de Géno de Millions d'êtres humains, bon, c'est un truc de malade. On nous explique que c'est de la légitime défense, que c'est proportionné. Parce que, hormis, oh, vraiment, ne venez pas discuter avec moi en me disant on, vous n'êtes pas soumis euh, à Israël. Point barre, c'est vos maîtres, c'est vos, vos dirigeants, point à la ligne. Ne vous en déplaise. Maintenant, vous le savez, vous en êtes conscient, et c'est tout. Est, on est d'accord. Le mec, il se fout de notre gueule avec cette histoire. C'est un comique, lui. Pendant que je fais la vidéo, je viens de voir sur Twitter toutes les, tous les sionards, euh, Jean Messia, euh, Jean Messia, etc., venir dire, oui, euh, la civilisation judéo-chrétienne est, est vilipendée par l'islam. Euh, la personne qui a fait ce, cette chose-là aurait crié, Allah Akbar, vraiment, si vous aviez insulté mon prophète.. Je suis venu pour te vilipender Voilà ce que... Et bien évidemment, tu tous les droitards qui vont répondre en commentaire ⁇ Oh mon dieu, on n'en peut plus de cette religion !⁇ Etc. Euh... Voilà, c'est c'est juste fou. Mais bon, je voulais que je vous dise. Euh... Moi, je suis... En fait, je suis pour... Là, je... je préviens les gens. Pensez à fuir la France parce que ça va être beaucoup plus radical. Vous verrez. Et... Eux fantasment la venue de leur prophète, de leur euh, messie, sauf qu'il est déjà venu, n'en déplaise euh, pour eux. Ils espèrent la venue de leur messie. <laughs> il viendra. Et ça, je vous le dis, dans la Bible, dans le Coran, comme dans la Torah, il est dit qu'il viendra le messie. Le problème, c'est que dans la Bible et dans le Coran, euh, ce messie est déjà arrivé en la personne de Isa, alayhi salam et de Jésus. Il est déjà venu pour nous. Pour certains, il n'est pas encore venu. Nous, il nous est dit qu'ensuite viendra l'équivalent, enfin ce qu'on appelle l'antéchrist, tu vois, euh, Dajjal, l'antéchrist, mais d'autres vont accueillir ce Messie-là. Il faut savoir que ce Messie-là, la majeure partie de l'humanité va le suivre. Hein. Ne croyez pas qu'il sera là, bien évidemment que les chrétiens vont le suivre, que les musulmans vont le suivre, que les juifs, que les athées, que le monde entier va le suivre. Parce qu'il aura des arguments pertinents pour vous manipuler, euh, même si c'est un faux semblant. Quand il aura ressuscité euh, tes parents morts, ton enfant mort, tu verras si tu ne seras pas à genoux devant lui. Euh, et viendra ensuite le véritable retour du Messie, etc. Machin et, et voilà. Mais c'est pas grave qu'on on plonge dans un âge des ténèbres parce qu'après il y a un âge de lumière. Donc allons-y. Allons-y, ils n'auront pas la victoire finale. C'est ça qu'il faut comprendre. Le problème, c'est que là, on est dans une période où il faut lutter, lutter, lutter. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. La victoire est au bout du chemin. En tout cas, voilà. Je ne vais pas continuer plus longtemps. Parce que là, ça fait 24 minutes. Sachant euh, que j'ai d'autres sujets à faire sur la chaîne secondaire. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. à la prochaine. C'était Samy Refait l'actu. Ah, j'ai oublié de parler d'un sujet, de le mettre dans la vidéo. Voilà, c'est bon, c'est trop tard. C'est trop tard. Pensez, penser. alors passons avec pas printemps, mais pensez à faire des petites cures. L'été arrive. Euh, profitez. Hein. Bronzer, mais pas trop. C'est bien pour la vitamine D. Euh, complément alimentaire, vitamine C, très important. Profitez, sortez un petit peu, respirez, profitez. Et, euh, un minimum. Un minimum, c'est les beaux jours arrivent. Alors, à ce moment-là, moi, je ne sais pas si je vais... Je ne vais... Je sais pas ce que vous, vous en pensez. Est ce que vous voulez que je... Que je... Moi, j'ai envie de faire une pause. Alors, soit je vais réduire la cadence des vidéos. Une par jour, ce serait déjà pas mal. Euh... Ou soit je vais pas faire de vidéos pendant un ou deux mois. Ça dépend. Dites-moi, est-ce que ça vous intéresse que je continue les vidéos cet été ou pas du tout